Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Gotaga TV. On est très bien accompagnés aujourd'hui. On va faire du Rainbow Six, mais pas que. Vous la voyez déjà, elle est à côté de moi, elle commence à rigoler. Elle a déjà mangé, ne m'en faites pas. Elle a déjà bien mangé. Écoute, non mais je précise aux gens parce qu'ils savent. Et là j'ai remarqué qu'il n'y a pas de bonbons et tout. Ils savent que quand je viens maintenant, si tu veux, on peut aller en prendre, on peut aller en chercher, etc. Non, c'est bon. On est accompagnés de notre team leader. Pourquoi ça commence directement, ça rigole. Parce que t'as un peu la place du dog aujourd'hui. Ouais, c'est tu vas être notre dog ce soir. Ouais. Ok. Voilà, je vous le dis, chat, sera notre dog ce soir. C'est Daryl, on va présenter un peu le jeu. Hein. Moi, je vais me présenter d'abord moi en premier. Voilà, ça fait depuis 7-8 ans que je joue à Rainbow Six. J'ai jamais percé dans l'e-sport, mais je connais un peu le jeu. Comme dog pour l'instant. C'est bizarre. Bah, pas pour rien que je suis sur ce fauteuil. Mais tu sais qu'on a fait un tournoi ensemble avec Daryl sur Rainbow Six. On s'est fait disqualifier d'ailleurs. Ça l'histoire. Mon seul tournoi sur le jeu, on s'est fait disqualifier parce que quoi? Alors, j'ai dû la soudoyer pour qu'elle vienne. Le seul pro qu'il y avait dans la squad, c'est le seul qui a enfreint la règle et on s'est fait disqualifier round 2-1 contre des mecs qui étaient trop nuls. Et genre, on a booké toute une après-midi, on a fait les trucs et tout et on s'est retrouvé dans le vocal. Il y avait un silence, on s'est quitté sur ça. Et j'ai plus jamais rejoué après. Je suis très heureuse de relancer le jeu ce soir. Donc, on va introduire Alex French SS, c'est bien toi? Eh bien, oui, c'est bien moi. Que fais-tu ici? Eh bien, je suis pro gamer depuis environ 5 minutes. Bon, je suis un fan de jeux vidéo depuis que je suis gamin, donc, notamment les FPS, donc ça va, je vais m'en sortir. J'ai commencé à jouer au jeu hier, mais ça va, j'aime beaucoup le jeu, je trouve que c'est vraiment sympa et je pense que je vais continuer d'y jouer par la suite. Ouais. T'es plus Rainbow Six IRL? Oui, alors je suis un ancien militaire des forces spéciales. J'ai fait 11 ans, donc du coup, dans l'antiterrorisme, libération d'otages. Aujourd'hui, j'ai une société de sécurité privée et de la sécurité notamment en zone de conflit, de la protection rapprochée, de l'évacuation de zones hostiles. Mais j'aime les jeux vidéo. Ouais, donc ça, c'est vraiment Rainbow Six en vrai, quoi. T'as fait quoi ça. En quelque sorte, oui. Et le dernier invité, Show H1. Enchanté. H1. Merci de m'avoir convié ici. Daryl. En fait, pour le jazz, c'est Coco qui a demandé à Daryl d'être le nouveau Dwag. Totalement. Littéralement 30 secondes avant que le live commence. On commence par quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on joue d'abord? T'as la feuille. Vas-y, Daryl. Première partie de R6, 20h30 à 21h. Ouais, bah alors c'est des premières parties de R6. On peut y aller, On va s'asseoir, ok. Ouais. On joue ensemble sur Team Leader. Daryl, il est où le chemin? Notre briefing. Le chemin. Team Leader, t'es sûr? Okay, la présentation de l'objectif. Et en plus, les gars, aujourd'hui, parce que la dernière fois que Show était venu, il était en mode président, machin, debout, tout ça. Là, il peut se rasseoir, ça y est. C'est bon, sur R6, je me remets à hauteur d'humeur. Et parce que tu t'es passé fort pour. J'étais au-dessus sur Warzone. Ok. Et là, en gros, on va partir sur quel mode de jeu, Daryl? Là, on va partir sur une petite unranked. D'ailleurs, si vous voulez faire mumuse avec des vrais flingues à l'occasion, je vous invite dans mon centre de tir en région parisienne. C'est toi. Avec plaisir, moi j'aimerais bien tester ce genre de. Ouais, avec plaisir. Ça consiste en quoi ton centre d'entraînement? Non, mais c'est un centre d'entraînement pour les professionnels, donc l'armée, la police, la sécurité privée, mais on fait aussi les formations pour les diplomates, les journalistes qui partent en zone hostile. Et c'est aussi un club de tir sportif le soir, donc je peux vous inviter sans aucun problème à essayer de tirer. Il y a même des snipers ou quoi? Mais oui, il y a des fusils à lunettes si tu veux. Ah bah, moi ce sera avec plaisir. Donc t'es resté 11 ans dans les forces spéciales? Alors évidemment au début j'étais très jeune quand je suis rentré, donc j'ai pas été directement déployé en opération, hein. J'ai eu une longue phase de formation, enfin de sélection puis de formation. Du coup j'ai exercé réellement le métier d'opérateur pendant 9 ans. Moi j'avoue que si tu nous invites je viendrai, je voudrais trop tester. Au stand de tir ou sur les déploiements stand de tir? Non, au centre d'entraînement au centre aéré. Sur les déploiements, sans déconner, aujourd'hui j'ai toujours des hommes qui sont sur le terrain vu qu'on travaille particulièrement en sécurité sur les zones hostiles. Donc bon, ça je vais pas vous inviter là-bas. On restera dans mon stand de tir tranquille. Ah non, mais moi ça me va ça. Ok, les petits loulous. Stand de tir. On va prendre Theme Park. Alors, okay. Très bien. Parc d'attraction. Là, dans tous les cas, c'est Daryl le capichef. Là, c'est à toi de nous. Team leader. Moi, ma seule directive, c'est que je prends H et je cours. Carte sélectionnée, frontière. Bon, attends, fais ce que tu veux. Alors, attends, parce que là, du coup, là, moi je pense qu'il y a plein de gens, ils connaissent pas R6. Ils comprennent pas ce qui se passe. Donc nous, là, on est en défense. Il y a plusieurs bombes sites en fait. Là, je pose des mines partout. On est sur un certain bombe site, les gars. Il faut qu'on renforce des murs pour éviter que l'équipe adverse perce les défenses trop facilement. Est-ce que j'ai bien résumé, Daryl? Mais Trivia, qu'est-ce que tu fais devant cette planche en bois sans rien faire? Attends. J'en sais rien du tout. Appuie sur F, Trivia. Oui, je renforce là. Alors normalement, en vrai, quand on pose des mines, on prévient ses collègues de où on les pose. Mais là, je crois que ça peut pas se déclencher quand c'est vous qui passez. Non, là, franchement, je pense qu'on est bon. On est bon. Daryl, ils arrivent par où? Salut l'équipe. Purée, j'ai pas mis les gilets. Venez me prendre les gilets. Quel gilet? Là. Tu vends quoi? Des gilets de rook. Et maintenant, on peut se relever avec les gilets de rook dès qu'on est mis down. C'est incroyable. Pourquoi Daryl est en train de tuer tout le monde pendant qu'il est en train de. Mais non, c'est The Gunfighter. Mais les gars, c'est Kotaga. À votre avis, Team Leader, mets un peu d'ordre dans le groupe là. Il faut qu'on sache quel secteur on prend. Team Leader, on court en cercle dans la pièce des bombes là. Qu'est-ce qu'on fait? Gotaga, il crée des brèches. J'ai l'impression que Gotaga est en train de les full team en face. Je suis tombé, les gars, je suis à terre. Laissez-moi laisser. J'en ai eu un. Daryl, il dit des noms, c'est incompréhensible. Je sais pas ce qui se passe. Au-dessus de toi, Coco. J'en ai eu un au bout du couloir là.
Ok. Putain, Alex, tu m'as piqué mon ace. Laisse-moi-en un quand même. Daryl. Ouais. Est-ce que t'as une information sur là où est-ce que les gens vont arriver? XT-Main, XT-Main, information à ta gauche. Mais ça veut rien dire, XT-Main, mec. Mais Daryl. Oh, on sait pas où c'est, mec. On sait pas où c'est, XT, incapable. J'ai pris le refrag. Je suis flash. Mais ils savent jouer en face. Doc, doc, mets lui une picousse. Je peux me relever tout seul. Mets lui une picousse, doc. Mets lui une petite picouse pour de ravitaillement. Ça va, je vais mieux. J'ai plus de picouse, je crois, je l'ai utilisé sur moi. Désolé, je suis un peu selfish. Mais il y en a trois, non? Je l'ai trouvé, je vais le fumer. Dis surtout pas où il est. Hein, ouais, c'est bien ce que je me disais. Tu peux sortir, mais en fait, le mec te voit là qu'après. Oui, je l'ai vu. C'est pour ça que ça m'a étonné de voir tranquille comme ça. On joue contre des enfants de 10 ans là, où on a commencé le jeu hier et on leur roule. Mais parce qu'en fait, vu qu'on joue pas activement au jeu, je pense que notre MMR doit être éclaté au sol. Éclaté au sol, chaud H1, il est en 0-2. Baril. Très bien, nous allons jouer. Le bureau il va trembler d'un côté. Là, il faut faire une rota ici et on va faire un petit setup au top aussi. Voilà, ici il faut pas renfo. Après ça c'est pour faire perdre pas mal de temps et après on va descendre. Le but de le BP est en dessous. Ok, ça commence l'équipe. T'as le perso qui fait des hologrammes là. Ouais, exactement. Ah l'enfoiré. Ouais, attention, là ils vont arriver là. C'est quoi là? Au ping sur Mark 2. Confirmation. Ping 2 à la fenêtre. Windows site. Il y a une fenêtre qui mène à l'extérieur. De ton côté, chaud. Ouais, deux de mon côté. Je pense que je vais leur laisser la position bientôt. Il y en a un qui arrive en face de nous à l'est. Ok, ça rentre côté main sur. derrière nous, ça rentre. Désolé, mon pote. Je recharge. Il est où? Pas de problème, c'était là. Bah, il y avait un méchant, il était entre le méchant et moi. Ouais, tir de couverture dans le dos du copain. Ouais. Alex, quand on tire dans le dos d'un copain, on appelle ça comment? On appelle ça une grosse erreur, cour martiale. Demandez à Alex. Il y en a un au bout du couloir, attention. L'air à ce qu'on peut voir en réalité au combat. Oh putain, t'es passé devant moi pendant que je tirais. Bah, quoi, cour martiale? Cour martiale. Les gars, ça va, je t'ai revenu. Je peux te réanimer ou pas? Se mettre comme ça dans le bras. Je vais te mettre un pansement, relève-toi. J'étais juste derrière toi en train de prendre le vidu que je me suis fait trahir par, nos, par les, Alex qui est une force spéciale. Ça arrive au sud. Mais moi je m'en fous, moi je l'ai trahi lui. C'est bon, voilà, let's go. Bien joué Alex. Moi je suis avec toi Alex. J'ai trahi Chaud, t'as trahi Trivia. On va aller à la justice tous les deux. Est-ce qu'il y a un moisson? C'est pour la bonne cause parce que j'en ai tué deux au bout de ce couloir. Quelqu'un a trouvé le site ou pas? Mais là à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire? En fait, ça sert à prendre de l'info sur une map. Il y a là où on doit attaquer et aléatoire. Enfin, genre il y a 4 possibilités. D'accord, Gotaga. Et du coup là avec notre petit drone, on doit trouver vers où c'est. Et une fois qu'on a trouvé, en fait, on essaie de voir par où on pourrait attaquer. Comme là, ce que je viens de voir, c'est méchant. Ok, qui ils sont au top. Drone. Ils sont au top là. Il faut qu'on change de spawn. Ah non, on peut plus, on a plus le temps. Allez, suivez-moi. Je suis le Thatcher. Très bien avec moi. Je suis avec Gota. Voilà, lui, il a essayé de faire un TK comme par hasard. Je suis à chanter mort. Très bien, je me suis fait péter la gueule. Désolé, Alex. Faut grincer. J'ai essayé de tuer notre capitaine pour que tu deviennes le capitaine. Mais ça va tuer en retour. J'aurais pas du TK. C'est des enfoirés, il me dit tout le monde m'écoute. Merde, je suis monté sur le toit. Il y a personne qui respecte le call, je vais crier. Mais en fait, je crois que Team Leader, je croyais qu'il fallait monter sur le toit. Vas-y, je peux plus jouer maintenant. Voilà les gars, notre pro il a que 3 kills. Hein. Voilà, il peut t'étoiler la vie en plus, mettre la pression. Pas de pro, hein. Mais bon. Je suis là, chef. Ok. Et derrière vous, chef. Ok, c'est bien. Ok, mais mets ta charge là. Attention, j'amorce le charge. Attends, putain, y'a des mecs derrière la porte. Non, mais la charge là au ping. Oh. Ah oui, il explique mal les choses, hein. Je passe d'accord avec toi. J'ai mis un sticker ping. Mais pourquoi il m'a envoyé une mort certaine? Ouais, bah c'est notre leader, hein. C'est vrai qu'il aurait pu t'expliquer. J'ai mis un sticker ping sur le mur. Ah, c'est du mauvais jeu là. Le team leader qui m'a envoyé me faire buter le long de la porte. Voilà. T'étais juste derrière, ils m'ont vu à travers la porte. 2v2 Daryl. Ouais, 2v2, y'en a un sur moi. J'ai fumé un mec sur le BP en haut. Bien joué Daryl. Enfin, je vais lancer un drone, avance pas, 49 secondes. Ok, je n'avance pas. Ok, je prends l'information. Il vient à tuer le type capitaine. Mais pourquoi tu fais la chenille? Parce que j'ai il est au fond, Alphol, bleu, au ping. Il y a un méchant 2. Avec un béret rouge au fond là. Je dégage. Oh là, let's go. Bien joué Trivia, heureusement que t'es là. Hein, parce que bon. Ouais, c'est bien vrai. Joué. Merci Daryl, bien joué Daryl. Bien joué l'équipe. Après tout, on est une équipe. Mais là, on a déjà gagné. Bah ouais, mais parce qu'ils sont pas très forts en face. Il va me détester après la soirée, ça me fait chier. Oh, The Gunfighter, 9 kills, je sais pas qui c'est, mais il est pas mal. Hein. Il est pas mauvais. Bah non, toi, t'es Gotaga. The Gunfighter. Pourquoi tu t'appelles The Gunfighter? En fait, sur ce jeu, les gens, ils attendent beaucoup de lignes, ils veulent pas trop de duels. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, je vais aller à l'opposé de ça, je vais prendre des duels, donc je m'appelais The Gunfighter. Et aussi, c'était quand je me faisais streamhack, en fait, le problème, c'est que les gens disaient, oh, mais tu te fais streamhack parce que tu t'appelles Gotaga aussi. Ils voient qu'ils sont dans ta game. Et bizarrement, ça a rien changé. Et du coup, le chat après, il a vu qu'il avait tort. En plus, tu t'es appelé The Gunfighter. Comment je fais pour prendre le lit? The Gunfighter. T'as un problème contre ça? Pas du tout. Mais tu pourrais jouer le nouveau perso qui est sorti ou pas? Parce que je crois qu'il y a un nouveau perso qui est sorti. Brava, la nouvelle opératrice originaire du Brésil, elle a 2 drones qui hack les dispositifs électroniques de la défense. Et ça les contrôle. Ok, le plan c'est... Faut monter sur le toit, montez tous sur le toit. Ouais, bon. On est en train de te suivre. Vas-y Gota, insère-toi. Je suis inséré. Champion d'insertion. Ok, j'avance, je prends la longue. Il est à droite. Gauche, maintenant à gauche. J'arrive. Mort. Mais vous êtes incroyable. Oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Hop, oh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, il y a eu une collatérale. T'es mort comment, je crois? Mais je sais rien. Oh, tu t'es pris un trap. Oh, ouais, non, bah, lui. Je t'empêche de. Oh non, je vais t'empêcher de souffrir. Je vais mettre des amorceurs.
Regarde, j'ai voulu t'empêcher de souffrir et. J'active le désamorceur. C'est vrai que c'est passé quoi ? C'est vrai ? Tu l'as jamais fait ? Non ! En fait, en haut, c'était écrit attends, ce que je voulais. Il est où ? Voilà, let's go. T'as pas besoin de son. Le jeu Trivia. En fait, le jeu a dit si je pouvais annuler la sentence, mais je sais pas, je te sentais coupable. J'ai voulu t'aider, tu sais, prendre la ligne. Tu m'as dit à gauche. Mon réflexe. Hop, tu tires, tu vois, ah, pressionne. Oui, et t'es passé devant quoi. Merde. Moi, je suis curieuse de savoir ce que tu penses d'un jeu comme R6. En vrai, il offre beaucoup de possibilités très réalistes. Maintenant, ça reste un jeu vidéo évidemment. Mais après, les mécaniques du jeu, c'est vraiment pas mal. Moi, j'adore ce type de jeu. Je pense que je vais continuer d'y jouer après. Et ouais. Le côté où tu te penches. Bah, en vrai, c'est pas un bon line de se pencher parce qu'on présente sa tête. Quand on line sur un mur, on ligne verticale pour montrer un seul œil et son flingue. On penche pas sa tête comme ça pour montrer ses deux yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la tête, c'est ce qu'il y a de plus vital. Enfin, ça dépend des gens. En plus, c'est un gros front. Ça se situe un peu plus bas, en l'occurrence. Maintenant, dans le jeu, pour savoir qu'on ligne, il faut bien qu'il y ait une animation. Donc, c'est normal que ça penche la tête sur le côté. En fait, là, ce qui manque pour que ça soit réaliste, c'est un véritable plan, Team Leader. Ah. Pourquoi il y a un regard très. Il a un regard très insistant. Très insistant vers Daryl. Je pense qu'on a spawn au très bon endroit. On va monter sur le toit et breach le mur T1. Attends, mais moi, j'ai. On a été spot par des caméras, je te attention. Suis, je te suis, je te suis. Attendez, mais moi je suis. Numéro 3. Je suis Alex parce que c'est quand même le pro ici. Il faut mettre ta charge ici. Vous avez des. Ok, j'amorce ma charge. Mais regardez, il colle tout, mais c'est incroyable, faut faire comme lui. Vas-y, pose la charge. Hop, il pose la charge, il amorce la charge. Attention, 3, 2, 1, go. Ça a pété, ça a pété, il faut. On est en A. Il faut. Faut prendre un outil d'observation, je prends un outil d'observation. Ok, tu balances un drone, tu me dis où ils sont. Attention, à la droite. Ok, j'en ai eu un à l'intérieur, au fond de la pièce. Au point gauche, au point gauche. Une caméra armée. Voilà. Ah, bien joué, Trivia. Quel soldat. Écoute, bon, c'est quoi le plan T'es le joueur professionnel qui a deux kills, donc qu'est-ce que je veux dire Je vous propose qu'on suive Daryl jusqu'à l'objectif. Voilà. Okay, et ensuite, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans le bordel. Ok, mais est-ce que quelqu'un a spoté l'objectif avant de. J'ai le bouclier, Pas du tout. Attendez, il a envoyé un drone. Ok, l'objectif est au top. On va prendre un rappel du côté ouest. Attention à cette porte. Ok, arrivez sur le toit. Ok, est-ce que tu veux que je place une charge. Il y a plus de porte, les gars, il y a plus de porte. Une mine antipersonnelle. Ils l'ont pété la porte. Non, The Gunfighter, mais tu es fou, laisse-moi passer. Ok, bah on pénètre tous par cette porte et laissez passer le bouclier devant. Laissez passer le bouclier devant. Need revenge. Prenez la sécu arrière. J'avance, je suis dans l'enfer. Mais je vais crier, le site est pas là. C'est bon, j'ai eu. Plante-le, vérifie qu'il est mort. Continuez, Alex. Continuez. Je prends à gauche, quelqu'un dans mon dos à droite. J'avance. T'es clair de mon côté. Moi je fais le dos. Alex, t'es toujours derrière mes fesses. Je continue de te suivre, copain. Ok, attends, je recharge, je fais un break. Dès qu'Alex prend les choses en main, ça marche mieux. Dès qu'il ferme sa gueule, le mec à côté, c'est génial. C'est fou. Trivia, il faut renfo ici. Ping 3. Qu'est-ce que tu fous en short ? Où est ton pantalon chaud ? J'ai pas vu que c'était tu t'es pas cru à la plage ou quoi ? On est en opération là. Ah, je voulais une tenue légère, je me suis gouré, désolé. Je courais pas partout les. Désolé, Tim. Alors, où est-ce que ça arrive en il se tue avec son ratero là. Non, on est avec Chouachin là. Moi, est-ce qu'on peut dire que là, du coup, je t'appuie ? Là, on appuie. Là, on est en train de bloquer un secteur. Je bloque un secteur. Ouais, là, tu bloques le secteur couloir et moi, je bloque. Mais là, il se passe rien en fait. Il court dans tous les sens. T'as de l'info, Gotha ? Faut que je me gratte le nez. Team Leader, j'ai capturé quelqu'un. Je rebloque le secteur. J'ai capturé quelqu'un. Non ! Ah, c'était KS, let's go. Non, c'est ça. Mais il était en rappel, wesh ! En train de faire la guerre en bas. J'ai tout poté d'eau ! Ah, mais c'est le dernier, c'est le dernier, Alex. Ah, c'est le dernier qui est là-bas. Il se passe de ces choses dans ces games. C'est trop bizarre parce que bah genre il était vers le haut, moi j'étais vers le bas. Tu vois, nous on n'a pas eu trop d'action. Enfin, normalement pour un joueur professionnel, normalement tu peux l'esquiver facilement, non ? Là, en fait, à la distance où il est, il rappelle, il y a l'effet de Coriolis qui rentre en compte. Ouais. Et ok, comment tu fais pour ban quelqu'un, tu sais, quand il t'a tué ? C'est pour un pote. Oh, il a fait ça pour être MVP, regarde. C'est pour ça qu'il m'a tué. Gotha, toi qui as une heure de jeu, tu fais autant que quelqu'un qui a 8 années de jeu. Et il est obligé de me TK pour. Ok, d'accord. Vas-y. D'accord. Je quitte l'escouade. Pourquoi tu quittes l'escouade ? Parce que là, sur le planning, ça c'est une partie qui m'intéresse de ouf. C'est Alex qui doit nous montrer comment il s'équipe et qui doit faire une revue de l'équipement présent. Okay. Bah, on va en profiter pour caler quelques petites techniques pour dans le jeu après ensemble. Ouais. Mais c'est quoi l'équipement de base du coup ? Parce que t'es censé nous montrer là un équipement de base, un opérateur qui soit d'une unité d'intervention, donc c'est-à-dire en gros police, gendarmerie ou qui soit dans les forces spéciales, c'est-à-dire des militaires qui vont faire des opérations à l'étranger. Il va toujours être équipé d'un ceinturon avec un holster pour mettre son pistolet et son kit de soins. Quelques chargeurs de pistolet. On appelle ça la première ligne. Et ensuite, il a une deuxième ligne, donc c'est au moins un porte-plaque qui va protéger juste les parties vitales devant et derrière. Pourquoi pas plus ? Parce que plus, c'est lourd, c'est encombrant. Et à l'inverse, on peut avoir aussi des gilets lourds qui, eux,
coup, vont protéger jusque sur les épaules, le cou, les jambes. Mais ça, c'est pareil, c'est très lourd à porter. Donc, on peut pas l'utiliser loin derrière les lignes ennemies. C'est vraiment un truc d'unité d'intervention. Mais du coup, on va toujours avoir sa deuxième ligne. Ça va toujours être composé d'une protection balistique, plus ou moins légère. Le plus léger, comme je vous ai dit, c'est juste le porte-plaque où il y a une plaque devant, une plaque derrière. Et dessus, on va mettre les chargeurs de son arme principale. Donc, son arme principale, en général, va être un fusil d'assaut. Les pistolets mitrailleurs, pour que ça soit intéressant à jouer dans les jeux, en gros, ils les ont rendus un peu mieux qu'en vrai. En vrai, un pistolet mitrailleur, c'est un fusil d'assaut en moins bien, quoi. En gros, un pistolet mitrailleur, il tire les mêmes calibres qu'un pistolet, donc c'est pas très puissant, alors qu'un fusil d'assaut tire des calibres de fusil et il envoie les munitions beaucoup plus rapidement. Et vu que l'énergie est liée à la vitesse, du coup, on a beaucoup plus de puissance avec un fusil d'assaut qu'avec un pistolet mitrailleur. Et pour autant, il y en a des très compacts et avec un très faible recul. Il n'y aura jamais personne qui aura genre une P90. P90, MP5. Le seul avantage qu'il y a, c'est pour une utilisation de type maintien de l'ordre, police, c'est les calibres, vu qu'ils sont beaucoup moins puissants, en fait, il y a beaucoup moins de risques de dommages collatéraux. La pénétration est moins forte, donc ça risque pas de traverser un mur qui va traverser un autre mur qui va arriver dans le PC de quelqu'un qui est en train de bosser dans son bureau. Du coup, par exemple, bon, ça c'est un porte-plaque. Là, on insérerait une plaque balistique à l'intérieur de ça et on serait protégé sur ses organes vitaux ici. Là, on mettrait ses chargeurs. Donc, comme je vous ai dit, c'est sa deuxième ligne là. Et en dessous, on aurait un ceinturon avec son holster, ses chargeurs de pistolet. Et c'est ça, c'est quand t'es policier et militaire, donc gendarme, etc. Ou il y a une différence. En fait, un policier ou un gendarme va pas se balader forcément avec ça dans la rue. Mais par contre, s'il intervient sur une tuerie de masse, il va s'équiper. Dans le coffre, il a ce genre d'équipement. Oui. Alors, les casques. Le casque, c'est hyper important. Même moi, on me demanderait de choisir entre mon gilet pare-balles et mon casque, je prendrais mon casque. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que sur un véritable champ de bataille, il peut y avoir tout simplement une chute d'objets. Quoi. Par exemple, on se déplace au pied d'un bâtiment et à cause d'une explosion, il y a un pot de fleurs qui tombe du toit, une tuile, et on peut mourir avec une tuile sur la tête. Quoi. Ouais, c'est un peu ballon, ça. C'est vraiment con. Donc, un casque, c'est très important. Donc, déjà, ça peut protéger des chocs. Et après, il y en a des plus ou moins lourds qui vont protéger de différents calibres, sachant qu'il n'y a aucun casque qui va arrêter vraiment à incidence zéro une balle de fusil d'assaut. Ça va protéger des armes de poing. Et après, ça va quand même protéger des armes d'assaut, mais sous une incidence qui n'est pas zéro, c'est-à-dire pas parfaitement perpendiculaire. Si on est un peu sur le côté, en fait, ça va dévier le projectile. Le projectile va rentrer et va suivre quelque part une trajectoire à l'intérieur du casque qui va lui faire perdre de l'énergie et l'empêcher de rentrer. C'est genre une glissière. Ouais, ça va. Et c'est parce que, en fait, si vous voulez, il y a tellement d'énergie dans une balle de fusil d'assaut qu'un casque ne peut pas l'arrêter net comme ça. Ouais, À la rigueur, tu te casques l'arrêter net. Il y a personne qui a des casques en mode tu te fais tirer dessus par une M4 à je sais pas 30 mètres. Si, ça existe, mais c'est des casques qui vont être utilisés vraiment que par des unités d'intervention. Tu peux même pas bouger avec ça. Mais par exemple, la visière. Un scaphandre. Vous voyez, le GIGN, ils ont des visières là. Les visières peuvent pas prendre le fusil d'assaut. Et ça va arrêter les calibres d'armes de poing par exemple. Par contre, il existe par exemple des casques en Russie où carrément, vous savez, on voit ça dans PUBG, le casque niveau 3, vous voyez. Ça existe en vrai, mais personne porte ça parce que c'est hyper lourd. En fait. Sur un casque, il va y avoir un dispositif, comme vous voyez ici, pour venir clamper une vision nocturne. Alors, il y a deux types de vision nocturne. Il y a celle qui intensifie la lumière résiduelle. Donc, ça peut être la lumière de la lune, des étoiles. Ça peut être les lumières d'une fenêtre, d'un lampadaire. Ça va l'amplifier. Du coup, à l'intérieur, on va mieux voir, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, on va quand même un peu mieux voir. On va voir en nuance de vert ou en nuance de blanc, selon la génération de la vision nocturne. Par contre, s'il n'y a pas du tout de lumière, on voit rien. C'est-à-dire, si on va vraiment dans une cave et qu'on ferme la porte et qu'il n'y a pas un seul pet de lumière qui rentre, on voit plus rien. Là, on peut utiliser du coup des torches infrarouges. Ah, les flares. Flares, c'est des artifices que tu jettes. Ouais, en rouge là. Oui, mais alors du coup, rouge, tout le monde va le voir. S'ils sont infrarouges, tu vas le voir que dans ta vision nocturne. Et donc là, tu vas éclairer des zones où il n'y a pas de lumière. Par contre, si le mec en face, il a une vision nocturne, il va te voir arriver un petit peu comme si tu avais un laser vert ou rouge et que tu le déplaçais avec devant toi. Donc faut l'utiliser que justesse et parcimonie. Après, il y a un autre type de vision nocturne, c'est tout ce qui est vision thermique. C'est de l'infrarouge aussi, mais c'est de l'infrarouge lointain. Je ne vais pas rentrer dans les cours de physique. Mais du coup, là, on voit tout ce qui est chaud. Et il y a des visions en fusion où ça mélange les deux modes et on peut avoir non seulement l'intensification de la lumière, et en plus, ce qui est chaud, qui est en surbrillance. Et là, actuellement, les industriels, ils travaillent aussi sur de la réalité augmentée pour éviter de faire du tir à mie comme tout à l'heure. Moi, on m'a trahi. J'ai pas tiré sur les autres. J'ai été trahi aussi. Tu m'as fumé aussi, donc. Non, en vrai, ce qu'il peut y avoir sur un champ de bataille, c'est le doute, surtout la nuit, entre qui est hostile, qui est pas hostile. Et du coup, avec de la reconnaissance optique et un marqueur sur quelqu'un, on peut avoir détouré les amis et ce qui n'est pas ami. Ah ouais ? Quelqu'un qui aurait une espèce de balise, en fait. Ah ouais, en vrai, ils ont ça des trucs au préalable. C'est des technologies qui sont en cours de développement, c'est pas encore tout à fait opérationnel. Mais si on va sur des salons de l'équipement militaire, on peut tester ce genre de choses. Parce que les jeux qui sortent et qui essaient de faire un truc un peu futuriste, ils ont déjà un peu ce côté-là où justement ils l'implantent. Mais en fait, les mecs qui font du Wallach, c'est un peu ceux qui. Alors, ils les voient détourer pareil. Hein. Wallach, ça marche toujours pas. Ça. C'est-à-dire, la thermique, à partir du moment où il y a un mur, on verra pas à travers. Ça, c'est dans les films et tout. Par contre, si c'est juste un rideau et qui fait un peu chaud derrière, quelqu'un qui est juste collé derrière un rideau, on va le voir à travers, parce que ça va chauffer le rideau, mais un mur en placo ou un mur en bois,
carré d'eau, ouais, mais par contre, un vrai mur, etc. Non, ça, impossible. Ils le font avec des satellites ou pas du tout? Non, avec un satellite, on peut pas voir à l'intérieur d'une, pièce. C'est des conneries, ça, par exemple, qu'on voir à l'intérieur d'une pièce? Non. Juste voir les gens, où est-ce qu'ils sont placés, etc., depuis la hauteur, pour envoyer les troupes après. Ah non, mais ça, utiliser un drone pour repérer l'ennemi, bien sûr, mais il pourra pas voir à travers les murs. Il aura différents modes de vision, il aura le thermique, l'intensification de lumière, mais ça sera toujours à l'œil, quoi. Mais c'est très réaliste, hein, pour le coup, ça, dans le jeu. Ok, donc, de ce que t'as vu de Rainbow Six pour l'instant, c'est des choses. Il y a plein de choses hyper réalistes. Bah écoutez, moi je pense qu'on va les games. Mais du coup, je retrouve un petit peu des choses de bons gros campeurs là qu'il y a dans Rainbow Six, et j'aime bien moi ça. Tu choisis le meilleur endroit pour bloquer un accès, tu fais le petit trou dans le mur qui va bien, et on retrouve ça dans Rainbow Six, c'est pas mal. Il y a une bonne sensation de réalisme dans le jeu. Mais franchement, très bonne expérience là. Ça me donne envie de continuer à y jouer. Ok. Essayons d'aller localiser cette bombe déjà. Ok, chef. Oh, je l'aime bien cette map. Je suis brouillé. Comment ça se fait que je suis brouillé là? Ils ont mis un jammer. Oh les enfoirés. On peut reculer, on peut sortir du brouillage. Oui, non. C'est quel agent qui fait ça? C'est Mute. Ah, c'est la merde, on peut plus utiliser les drones là. La merde. Non. Et comment on fait? Bah là, il va les détruire. Tu pourras réutiliser les drones s'ils les ont pas pétés. On se regroupe derrière Chouachin. On se regroupe derrière Bouclier. Et t'avances. Entrée principale, on va brécher l'entrée principale. On va rentrer par surprise. Juste derrière toi, Gunfighter. Attends, mais ils sont où? Mais Chouachin, on se regroupe derrière toi. Mais non, ils sont au top. Ils sont au top là. Il faut jouer le balcon là. C'est où? Écoutez-moi. On rejoint Gunfighter. On monte sur le balcon. Alors, c'est le balcon où Gunfighter? C'est là-haut là. T'es où, Chou? Je te cherche. Regarde ta map, frérot. Chou, c'est toi ça? Ah non, c'est un ennemi, je l'ai tué. Vas-y. Allez, on est sur le toit. Vas-y, Gotha, attends, je vais ouvrir la porte avec mon drone. J'ai pété un brouillard. Regarde la porte. Je crois que la coordination du groupe est morte à l'instant. Non, attends, rentre après. Qui est avec moi? C'est moi. Je comprends pas. Je flash. Allez, on va regarder tout ce qui se passe en contrebas. Je rentre à droite. Mort. Essaye de regarder s'il y a personne en bas là. On est sur les bombes. Mort, on est sur les bombes. C'est clear, t'es où, Chou? Je suis descendu. Il y a quelqu'un qui m'a égorgé dans la cuisine, Gotha. On est ensemble. Tu te mets à gauche de la porte, tu regardes à droite et moi je regarde à gauche. Ok, à gauche c'est clair. On rentre ensemble. Toi tu vas rentrer, tu vas regarder à gauche et moi je vais rentrer, je vais regarder à droite. Okay. T'es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Hop. Oh, c'est trop cool, j'adore. Okay, interrogation, cool vibe stairs. Okay. Il y a un escalier de mon côté. Viens avec moi, il y a un escalier. Jungle, pour toi à droite. Ok, attention, il y a un escalier. À droite, à droite, voilà. Bon, la mission est terminée. Moi j'ai toujours pas. Il est où chaud là? Je le cherchais. Ok les gars, et si on essayait d'aller tous ensemble? Franchement, mais en fait, moi je cherchais chaud partout dans le bâtiment. Bah oui, mais moi je t'ai suivi. Mais bon, comme d'hab. Vous savez, avec montagne, on avance très lentement. J'ai un bouclier d'un certain poids et c'est compliqué d'avancer. Un bouclier en quoi? D'un certain poids. Ah, ok, on essaie d'écouter cette fois-ci chaud, s'il te plaît. Pas de problème, l'équipe. Bah, parce qu'en fait, cette entrée principale, on va rentrer par là. Je voulais pas déséquilibrer le groupe. Non, vas-y, tout le monde sérieusement, s'il vous plaît. On essaie de faire vraiment. Ah, ils sont en haut des escaliers, ils sont au premier étage. On vraiment de faire une opération. Il y a un mute encore pour le l'idée par Alex. Je vais aller à l'inverse de mon tempérament à aller prendre des gunfights et je vais juste suivre le bouclier et je vais écouter les calls. Je vais être un élève sérieux. On se dirige vers l'entrée principale tous, derrière le bouclier. Derrière Chaud. Le Chaud, il est à gauche, derrière le bouclier. Pas besoin de se coller pour l'instant, on est à l'extérieur. Faut garder des distances entre nous, faut faire attention aux fenêtres. On ouvre la porte. Bouclier, reste pas au milieu. Mets-toi sur un côté. Okay, j'avance à gauche. N'avance pas encore. On n'est pas avec toi. T'es tout seul. Neutralisé. Ressort. Est-ce que le drone peut aller à l'intérieur et essayer de repérer les menaces? Vas-y, moi je vais lancer un drone. J'ai lancé mon drone à droite dans la kitchen. Rien à signaler. Attention sur le dessus de l'escalier. Caméra détruite. J'ai rien. Derrière nous. Quelqu'un avec le bouclier en contrebas des escaliers. Attention. Mort. Allez, on se regroupe derrière le bouclier, les amis. Chaud, t'es trop loin, tu t'avances trop vite. Le BP il a 3 km. Mais on dirait Forrest Gump, il s'arrête jamais. Chaud, on a besoin de toi. Là, on est bloqué. On y va. Gotaga, j'ai besoin de toi. C'est derrière moi, continue tout droit. On progresse. Attention, il y a un truc sur le côté là. On brèche le mur. Ce mur, on peut pas. Ils ont des. Mais oui, mais il faut bricher ici. J'ai terminé, je peux brécher. Vous êtes prêts? Effectivement, le mur a été cassé, je peux le constater. Ok, c'est parti. Ok, ça tire. Derrière le lit ici. Je flash. Ok, super, belle flash. Ok, j'ai envie de prendre l'explosion. Sur la trappe, je push de mon côté le site. Un autre ici. Je l'ai touché. Okay, je suis à l'intérieur, je flash le bout. Bien joué. À ta gauche, Angel. Nice. Mort les deux. Neutralisé. Bien joué, Angel Link. Ok, c'est kitchen. Les gars, on peut faire une plante ici, à la two port. Alors, on se dirige au point 4, c'est ça? Et on pète la porte. Mais il faut casser du stuff d'abord. J'arrive. Regroupement au point 4. Vous pouvez pas planter direct. Bouclier devant. J'avance. Faites gaffe, il a fait un petit trou. C'est bon, je vous protège. Il est au contact. Ok, c'est ici qu'on pénètre. Rentrez doucement. Il y a un trophy derrière la porte si jamais vous pouvez pas balancer ce stuff. Ok, j'ai éliminé un opposant. Ok, je casse la porte. Ok, j'envoie un outil. Est-ce que tu peux regarder à l'intérieur? Bien sûr. Attends, j'arrive. Alex, il est allongé devant. Il back, Alex. Ils sont deux, ils back. Ok. Trois, Alex. Oh putain, je me suis fait avoir par une bombe.
Ok, ils sont les 4 devant moi. Par une mine en rentrant. Ok, les 4 devant moi. Mort à droite. Attends, je drone. Ok, dans le mur à gauche. Parce que dans le mur à gauche, il y a des mines par terre. Contact gauche, contact gauche. Attends, on va casser les mines. Daryl, il est juste là à gauche. Il est juste à gauche en rentrant derrière le comptoir. La pré-shot, Daryl. Attends. Reste où t'es. Ouais, nice. Il est mort. Ok, je reprends. Les deux autres étaient sur BP. Ouais, je reprends une info avec le drone. Ok, un ici et un porte-BP. Allez, Daryl, c'est ton moment. Ils ont bien joué ce coup-là, mais fais attention à toi. Oh, ah, tu l'as touché. Oh, nice. Oh, il est trop fort. En fait, ils font tellement des trucs pas prévisibles que je comprends pas ce qu'ils font. Ah, c'était des baélos. C'est trop fort. On n'a pas eu de réussite parce qu'il y a eu du piège. C'était très sournois de leur part. Mais bon, tu as bien rattrapé la chose. Venez prendre vos petits gilets. Miam miam, le petit gilet. Prenez vos petits gilets. Daryl, où est-ce qu'on campe? Vas-y, je suis prêt à les arracher, gros. Il y en a qui arrivent à droite. Oh, il y a un cousin. Ils vont faire la strat comme nous. Quelqu'un a des percus ou pas? J'en balance dans la porte. Attends, viens vers moi. Il va poser son shield, tu vas mettre une percu. Bon. Bien joué. Ils savent qu'on est là maintenant, fais attention. Ok, je pense qu'on peut extendre. Il y a un bouclier à la porte, la même porte. Oh, il nous égreuille, je suis désolé. Il y a un bouclier qui arrive par la porte là où on a jeté la percule. On va se le faire au couteau. Je me suis jamais autant fait TK de ma life, gros. Attention, c'est à la droite derrière toi. Allez, on fait une sortie Daryl, héroïque. Daryl, il est en chasse. Il était entré principal. Bien joué. Ok, la défense s'est très bien passée. Hein. Ça s'est bien passé à part. C'est toujours le même. S'est tous trahi au moins une fois. C'est encore le même. Hein. Ça va, gros. C'est toutes les games, je me fais buter. Je te jure que cette fois, il y avait vraiment mais aucune volonté de te tuer. T'imagines, il voulait tellement de kills qu'il m'a fumé pour l'avoir. Ouais, c'est fou. Et je te jure, t'es passé dans mon viseur. Même toi, tu fais pas ça en solo queue avec des randoms. Ça serait pas. Le team kill, c'est assez logique. C'est un problème qui existe en vrai aussi. Il faut faire vraiment très attention parce que personne n'a envie de tuer un camarade. Du coup, en fait, on doit être très discipliné. En fait, quand on se met à un endroit, on a un secteur, personne ne doit passer dedans. À la fois, le mec qui tire, s'il est responsable de ses tirs, donc c'est à lui s'il voit quelqu'un passer dedans de ne pas tirer, évidemment. Et en même temps, c'est aussi à l'autre personne de ne pas passer dans le secteur de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui bloque une porte, par exemple, il ne faut pas débouler devant lui comme ça parce qu'on a envie de pourchasser un ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est accroupi en train de liner sur un angle. S'il y a quelqu'un qui se met par-dessus lui, il faut que l'autre il se lève pas, par exemple. Mais ça, en vrai, c'est plus facile à se coordonner que dans le jeu, parce qu'en vrai, on se sent, on peut se toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, c'est pas contraignant. Ça t'est jamais arrivé de faire une intervention et dans un endroit où, genre, potentiellement, des opposants ont les mêmes tenues que vous ou des tenues qui ressemblent énormément? Si, mais en fait, surtout, c'est de nuit. En fait, de nuit, tous les chats sont gris. Tu prends un temps pour réfléchir à ce sur quoi tu tires. Mais c'est surtout, en fait, dans les libérations d'otages. En fait, quand tu rentres dans un endroit, parce que t'es hyper stressé, tu dois être sûr que la personne devant toi n'est pas un otage ou quelqu'un qui n'est pas armé, quoi. Tu as une demi-seconde à une seconde de temps de réflexion que le méchant en face n'a pas forcément lui. Il faut vraiment compenser cet avantage du défenseur par une prise de visée rapide, quoi. Pas facile, hein. Ils arrivent par où d'habitude? Plutôt rez-de-chaussée ou premier? De tous les côtés, puis ils vont monter sur le toit en fait. Et après, ils vont jouer les trappes. Mais après, cette map, si tu veux les intercepter, ça demande quand même pas mal de connaissances. C'est assez tricky, genre. Ah, il fait sonner mon téléphone là. Ça, c'est deux Kaibi. Raccrochez vite. Elle m'appelle sur mon téléphone perso, quoi. Où est-ce qu'elle est? Il y a un shield devant la porte que tu visais chaud. Il y a un shield. Là, si tu l'attires, moi je peux lui foncer dessus avec ma compétence et il tombe par terre. Putain, mais il y a l'autre derrière, non? Oh, j'ai eu la tête. T'as eu la tête de qui? Du mec derrière. Et il a combien de vie dans les pattes, lui? Voilà! T'as vu ce que j'ai fait ou pas? Ouais, j'ai vu, tu l'as gagné. Voilà. Bien joué. Il y a un mec en rappel sur la façade. Ah ouais, sur la façade? Je l'ai eu. Il était en train de descendre en rappel sur le point B. Joli. Il y en a un autre qui arrive sur le point B. Quelqu'un avec moi? J'arrive, je suis derrière. Attention, Bigway. Pourquoi tu me tires dessus? Mais pourquoi tu m'as tué? Bah, parce que tu me tirais dessus. Mais non. En fait, quelqu'un tire en dessous le mur en dessous de toi. Je me suis fait toucher. J'ai eu que tu m'as détruit. En fait, je vais commencer à prendre des dégâts. Je me tourne, il y a un mec comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais non, j'étais avec ma caméra en train de regarder derrière le mur. Je te demande s'il y avait des gens. Ah non, c'est ok. Ah, ici, je suis en ping 4. Bien joué ça! Oh là là, Trivia! Tu l'as explosé! Et ça clique! Allez, go! Bon, cette fois-ci, je crois partout parce que là, j'ai pas trop aimé, je me suis fait fumer par Alex. Voilà, je vous le dis. Ouais, je suis désolé, mon ami. Un concours de circonstances malheureux. Tu fais quoi ici, Trivia? Hein? Tu fais quoi ici? Ah, fallait pas renfort? Ça push du côté de Kota. Jette ton téléphone, Trivia. Merde! C'est rentré! Bakery? J'en sais rien de mon côté. Ah, main. Il est nul. Oui, là, il y a montagne. Deux mecs sur mon ping. Oh. Ok, c'est dans la bécurie. Sur site. Couvre-moi, Trivia, je vais foncer dessus. Mais c'est moi ça! Oh là là, merde! Il a vraiment tes cas. Non. Ce mec là, je le déteste. Ok, j'ouvre à droite, tu ouvres à gauche.
Ok, il ouvre le freezer que vous avez vu tout à l'heure. Vas-y, j'avance. J'avance en viande, tu revenges. Au fond à gauche. Trivia, j'ai la cam que t'as mis en freezer. Il était dans les escaliers. Au fond à gauche ou derrière toi? T'as eu. Il était dans les escaliers. Reviens sur site. En dehors du freezer. Je reviens sur le point. Reviens sur site. Tu vois où j'ai mis le ping là? Toute la salle, on a l'info. Par la porte à gauche, sur site. Il a pris un capran. Il est vers la bombée. Là, il décale, derrière la bombée, au ping, accroupi, dead. Et l'autre, il doit être à la double porte. Non, il va dessus, derrière la bombée. Mais c'est leur animé, je pense. Ouais, il est derrière la bombée, le termite. Derrière la bombée, avance, viseur fixe. Nice. Ok, non. Fini ton kill, t'en as un V1. Et l'autre, tu l'as vu, il était vers là aussi. Ah, mais ça joue trop bien. Il est dans. Ah, dommage. Ouais, mais j'avais pas vu sur la cam, putain, fais chier. Mec, il a commencé le jeu hier, mais t'as eu la stratégie, comment il l'a? Ah, bah ouais. Hein. Ils vont arriver rez-de-chaussée ou étage? Je sais pas du tout. Je passe par-dessus toi, attention, hop. Pas de soucis. Moi, je pense que je vais rester sur site et je vais vous donner des infos. L'homme en short est devant nous là. Il n'est pas très sérieux, l'homme en short. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi la bécurie? Il faut qu'il parle avec du langage commun. Tu vas vers mon point 4. Si tu regardes vers mon point 4, c'est par là. C'est sur mon ping, sur ping 4. J'en ai eu un à la porte nord-ouest. Est-ce que la fille aux cheveux blancs, elle peut mettre un fake et... Oui. Ah, ok. Il y en a un autre avec. J'ai full team. Non, il en reste un. Il est en train de tous les défoncer. Il a commencé le jeu hier, les gars. Il est dehors, il est sur chaud. Non, je le prends pas, Mais non, mais. Oh, il vole. Vous pouvez faire son premier race. Il s'est retourné en mode check. Autant pour moi, je suis désolé. Prenez montagne, on va tous monter sur le toit, on va tous drop à une trappe et on va. Ok, ça va être super cool. On va foutre le sbeul. Voilà. C'est un nouveau perso, Brava, c'est ça? Exactement, c'est le perso que j'ai utilisé pour hacker le matériel des opposants. Et c'est ça qui fait sonner les téléphones là? C'était l'enfer. Non, ça c'est deux KB. Vous avez vos téléphones quand vous allez en opération? T'as pas de téléphone perso, t'as un téléphone de travail blanc, comme on dit, tu sais, qui a été complètement cliné. Comme ça, si on te capturait ou qu'on te volait ton téléphone, t'auras pas d'informations personnelles dessus. Après, on utilise quand même des téléphones en opération. Oui, c'est si la radio passe pas, tu vas utiliser un téléphone. Tu vas pas avec ton iPhone personnel. Non. T'as un téléphone pro qui peut être éventuellement crypté. Ils sont à l'étage. On va tous monter sur le toit. On va prendre le petit rappel. En haut, il prend la vision, je crois. Il a ouvert la porte. Allez, on grimpe le toit avec Team Leader. Je vais juste détruire la cam défaut comme ça ils savent pas. Hop. Ok, c'est cette trappe là que je piège. Non, je vais la casser moi. Je vais juste prendre l'info d'abord sur le site avec mon drone Brava. Il y a moyen qu'on drop tous à la verrière là. C'est quoi? Allez tous à la verrière là. Et dropper, moi j'ai ouvert. T'es sûr? Sûr. Y'a un mec. Oh! Oh, c'était une giga! C'était le pire col! J'en ai eu un derrière le comptoir. En face de moi. Oh, magnifique. Derrière moi, devant toi, Angie. Je place le désamorceur. Il y en avait un autre sur moi avec un pompe, je crois. Je protège le bomber. Je rêve de désamorcer une fois une bombe dans ma vie, laissez-moi faire. Je protège. J'ai placé le désamorceur. Il s'échappe, il court. Il est bloqué Il est bloqué. Il est juste devant moi. Il y a quelqu'un derrière le bouclier. Je te suis. Je vais le flinguer du coup. S'il finit sa barre de speed, il s'essouffle. Nice. C'est le pire. J'ai vu pendant un moment quelqu'un qui a douté de mon call. Quelqu'un? Bon, on tu était trois, je pense. C'était pas mal du tout. Moi, je suis Dracula. C'était pas mal du tout. Bah oui, c'était super bien. Non, c'était très bien. On passe par cette porte là tout de suite? Non, mais ça serait bien qu'en fait on monte sur ce balcon et qu'on breach la porte du site. Ok, là on monte sur le garage. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est soit vous prenez en rappel, soit vous montez sur le bout du camion. Monter en rappel, ça va être plus simple. J'ai voulu faire un truc tricky. Dès que vous êtes sur le balcon, je peux rentrer pour breach et terminer. Enfin, je suis sur le balcon, je suis juste derrière toi. Attends, le bouclier est juste derrière. T'es prêt? Voilà, t'es prêt? Bouclier devant. Ça rentre et ça déroule. Gauche-droite, c'est parti. Ouais, y'a personne. Gauche, il s'est enfui dans le couloir. T'as sur le bout du couloir à gauche. Ok, on peut déjà planter un. Couvrez-moi. Non, allez pas plus loin. Il y a un mec en train de caguer dans le chiotte. Je plante 50%. Devant moi. Doucement. Flinguer à travers le devant moi. Doucement, on couvre la bombe. Je vous en supplie, aidez-moi. Ah là là, tu m'as bien couvert, mais il a réussi à m'avoir par-dessus le bouclier. Oh, merci. Hey, t'as eu par-dessus le bouclier? Ouais, juste en haut à gauche, j'étais un peu en perspective derrière toi. Oh. Il m'a eu par-dessus. Oh, le chien, balèze ça. Ça m'a trop donné envie de rejouer. Je ne sais absolument pas où chercher là avec le drone. Voilà. Il est quand même vraiment incroyable ce jeu. Franchement, si tu fais des strats avec tes potes et tout, ça peut vraiment être dingue. Et ouais, ce qui est cool, c'est d'y jouer avec une squad d'amis. Ils sont encore au top. Allez, ça rentre là-dedans. Vous voulez pas ouvrir de la même manière parce que là, vous allez vous retrouver en dessous. Ok, on monte à l'étage. Parce qu'en fait, là, on n'a rien pour faire la verticalité. Je suis avec toi à l'étage. Non, vous redescendez. Ok. Attendez, j'arrive. On arrive. Ok, on monte l'escalier. Attention à l'hologramme. Ouais, le bouclier devant. Ah ouais. J'ai 5 HP et je viens de prendre un C4. Ils sont deux là où je viens de crever. Oh putain, on s'est fait défoncer un terrain. Ouais. Ah ouais, à droite. Franchement, il y a des hologrammes, c'est quoi cette affaire? Ouais, c'est Alibi. Oh le massacre. Oh, on s'est fait massacrer. Voilà, bien joué encore.
Il a, dommage. Il a même fumé son pote en suivant. Dommage. On s'est fait massacrer. Pourtant, c'était bien hein, la pénétration, mais les hologrammes, c'est vraiment un truc. Là, ouf. Ce qu'on peut faire, c'est que le personnage. Vous avez pas d'hologramme dans les forces spéciales? Non. Ok, les gars. C'est pour Léonidas. I'm the captain now. Suivez le guide, les gars. Alors, c'est simple. On va se la faire en douceur. Mais non, en bas. Hop, directement. Un plan limpide et sans accro. Elle va être bleue. Putain, bordel. Gotha, tu t'es fait buter d'où? À la fenêtre en haut, diagonale droite pour toi, Gotha. Il est extérieur. Je suis avec toi. Je me suis pris un push XT. Allez, elle est exactement sur. Attention, je flash. Vas-y, pénètre. Pénétration en cours. Ok, je prends à droite. Il y a une ouverture au fond à gauche. Ah, attends, je suis tombé sur un agent de la CIA là. Tu vas me revenge normalement. Il est juste mort, là. Je suis sorti. Il est blessé. À droite. Suis les traces de sang. Oh là là, il m'a pilé, surpris. Je crois qu'il est pilé. Oh, nice, Coco. J'en ai eu attends, deux sur moi. Attends, je vais te donner l'info du dernier. Attends, mais ils nous ont contourné par. Il doit être sur toi, Angel là. Ouais, il est sur moi. Electrical. Il est exactement sur ping. Il a détruit le drone, mais il était là encore. Wow, il est à l'escalier. Bien joué, bien joué. Ok, là il y a un escalier à côté du point B. On campe ici. Ils sont en bleu, ils vont pas sur moi. Attention, sonar. C'est quoi bleu? Vous avez vu sous la map à peu près sur la map bouché? Ouais, je suis avec toi, Daryl. 3XT garage sur la cam. Mais garage, c'est où? C'est quoi garage? Où y a chaud. Merde! Pourquoi tu dis pas là où y a chaud plutôt qu'XT garage, mes couilles! J'ai pas pu pinguer le garage. Ouais, il m'a détruit. Ils étaient placés de manière où on pouvait pas les ping. Les gars, il m'a détruit XT garage. Ok, je prends l'info. Il est où ce foutu garage? Regardez le bait. Je fais genre j'ai info. Putain, pourquoi il a vu? Pourquoi Gotha a vu? Ah, mais c'est un. Ah les gars, vous avez pas vu. Je tire sa grenade dans l'escalier, ça va descendre. Vous êtes en train de voir le POV de quelqu'un qui tire bien. Si vous aviez été sur l'autre POV du mec qui. Ok, je peux barricader cette porte. Ok, contact à droite. Oh nice. Oh là. Joli, Alex. Ouais, bougez plus. Non, il faut se relocaliser, ils savent qu'on est là. Faut non, bouger. Mais il reste 5 secondes. Je prends ton flanc. C'est bon. Bien joué, l'équipe. On rentre à la maison. Malheureusement, on a perdu plus de la moitié de l'équipe. T'inquiète, on revient. Qu'est-ce que je vais dire à vos parents? C'est ça qui me travaille le plus. Je pose des gilets pare-balles par terre, au moins je suis utile à quelque chose. Ah oui, t'as mis les gilets, nice. À noter qu'on peut mettre plusieurs hameçons par porte. Hein. En fait, les dispositifs de Capcan, tu peux en mettre deux par porte, comme ça tu tues directement le mec qui passe par la porte. Genre là, ce qu'il a fait, Gotaga, c'est vraiment un truc de saligo, quoi. Non, mais moi, c'est juste, je prends par information déjà des gens. Déjà qu'il m'a volé mon perso, je me retrouve avec un P90. Il y a un mec chaud sur mon ping. Extérieur, deux sur moi. Ça rentre ici, là. Putain, j'ai eu de la peine, hein. Attends, je vais faire une rota ici, et tu vas pouvoir prendre la kit. Voilà, bien joué. Comment tu savais qu'on pouvait casser ce mur? Parce que c'est des moments où t'as bien joué. Encore? Oh là là. Nice, hein, ils ont pas fait un bien joué. Ils étaient tous là, bien joué. Bien joué, l'équipe. Je pense qu'on prend du poil de la bête, en vrai. Je trouve que c'était plus synchro. On a gagné. On n'a pas perdu une seule partie depuis le début. Ouais, franchement, on a été solide. Hein. Mais après, bon, on jouait aussi des débutants, mais on était les meilleurs des débutants. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Exactement. On fait quoi, du coup? Vous voulez qu'on essaye de tirer un peu sniper? Moi, j'avoue que ça m'intéresse. Pierre qui roule, Namas Pamos. Tu vas te défaire. Mais moi, en fait, j'ai trop envie de savoir comment il tire. Et je vous jure, c'était vraiment kiffant de tirer. Oh, c'est ouf. Ok, les lunettes sont là. Donc, ne jamais viser quelqu'un, même si c'est une réplique, etc. Enfin, c'est très dur de viser, c'est pas si simple. Même si ça paraît très simple, c'est pas si simple. Tu vas réussir à mettre le 30 ou pas? Non, mais moi j'ai visé le 50. Là, il y a un 50. Les gars, moi je suis myope, il parle de quoi? Puis je vois même pas la cible. La gauche là, frérot. Est-ce que le son il est fort? Si, t'as tiré dedans. T'as tiré où, moi? Je crois que j'ai tiré sur 50, mais je peux pas. Je crois que tu viens de casser la clim au plafond. Je suis moins 20, j'ai tiré là. Là, c'est 50, mais autour, c'est du moins 20. Ah, mais t'as quand même géré là. Non, mais par contre, j'ai vu par rapport à comment j'ai tiré, où je dois à peu près. Je vais vous dire s'il nous a troll et qu'il a réglé la lunette à gauche. Si jamais c'est Steph qui fait les réglages, je vais mettre. Okay. Attends, ouais. J'ai peur, j'ai l'impression qu'elle est pas arrivée sur la chute. Vise à un endroit pour nous dire je vais le décalage le 30 au milieu. Bah, ça c'est en plein dedans. C'est un 30 juste ici. Quand tu le tiens là. Et là, mais ça c'est bon, il a rechargé. C'est bon, elle est bien réglée. Ok, 30 points pour Alex. Il a rechargé là. La prise en main, on est des manches nous. Regarde-le ton joueur pro. C'est pas mal, c'est un 20. Juste à côté. C'est un 20. Vas-y, réarme là pour le suivant. Comment c'est comme ça? Tu tires en arrière et tu ramènes en avant. Pap, plaque. Hop. Nice. Fais gaffe, c'est lourd. Hein. Merci bien. Ouais, on a fait les petits joueurs. Ouais. Attends, c'était quoi que j'ai vu qu'il y avait une légère déviation, je me suis dit, je vais mettre le temps. Non, mais c'est bien. Mais du coup. Oh, ça rebondit. Okay. Ouais, c'est pour ça qu'on a les lunettes, parce que ça peut rebondir. Noir ou le vert. J'ai visé le 50. T'as visé juste ici, t'as 8 points. Non, mais bonjour, par contre, c'est de 50. Il a chauffé à la fin. Comment tu fais pour stabiliser? Attends, je vais vous donner 2-3 tips après. Par exemple, à la fin, j'attends de gagner et après je vous donne. T'as tenu ta respiration? Je rigolais pas. J'attends de faire le meilleur score et après je vous donne des tips. J'ai essayé, mais j'arrivais pas à stab. Allez, trivia. Moi, je sais même pas comment on le tient. Vous avez l'air de tous bien le tenir. Je t'ai vu sur d'autres jeux. Attends, t'arrives à le tenir. Ouais, mais attends, mais je dois regarder où est ça. Stabilité. Wow. Retiens ton souffle. Pan. Nice. Oh, j'ai eu peur. J'ai visé le 30. Le 50, je voulais dire. Ouais, c'est pas. Ça a fait blanc juste au-dessus, non? Juste là.
Ah mince, mais je bouge, bougeais trop. C'est bien, c'est bien. Attends, qui a touché le 50 là? Personne encore. Enfin, moi je vais le faire là, mais. Oh, quel culot! Attends, avant qu'il tire, tu veux lâcher ton meilleur tips ou quoi? Alors, en fait, quand on prend un fusil d'assaut et le but c'est de réagir le plus vite possible, on va mettre sa main le plus loin devant, comme ça on désigne instinctivement la visée. Vous voyez, c'est instinctif, c'est comme si on pointait du doigt quelque chose. Okay. Par contre, quand on fait du tir de précision comme ça, posé, on va plutôt poser le coude contre le corps comme ça pour être plus stable. Ah, c'est ce que je veux dire. Et on va se mettre de profil. Ah, mais du coup, c'est pas à l'inverse. À l'inverse d'une position de combat où on va être face pour présenter les épaules face aux cibles. Là, c'est plus trois quarts face quand on tire comme ça. En fait, quand on est en position de combat, on est plutôt comme ça. Vous voyez, avec le bras très loin devant et les épaules face à la cible, comme ça, dans cette position-là, on peut même tirer en mouvement. Par contre, quand on fait un tir de précision comme ça, on se met de profil et on met le coude comme ça, de façon un peu tireur de biathlon quoi. Ensuite au niveau de la respiration, faut respirer et faut pas prendre une visée trop longue parce qu'au bout d'un moment vous avez on commence à se fatiguer, faut pas bloquer la respiration trop longtemps. Avec les le cerveau a besoin d'oxygène. Donc respirez et vous bloquez la respiration sur la demi-inspiration. Parce que le cerveau est plus efficace sur l'inspiration que sur l'expiration. Plutôt que faire voilà. Tu fais. Et après l'action du doigt, bon là il y a pas de recul, il y a pas d'élévation, c'est un airsoft, mais en fait il faut pas se précipiter parce qu'on fait bouger l'arme. Donc il faut appuyer de manière lente, rectiligne, il faut être surpris quand le coup part. Ouais, là je sens déjà l'arme qui devient très très lourde. Bah alors après si tu te sens mieux, déplace ta main légèrement vers l'avant. Hein. Et elle est dans le 50, non? Je suis pas loin, je crois. Ah, 50, messieurs. Oh, bien joué. Bon bah je prends sa technique, hein. Le truc coûte. Moi, celui qui met pas 50, c'est une. Wow. Moi je reste tranquille sur le 30, comme ça je suis sûr de le toucher. Voilà. Trois quarts face, comme ça là. Ouais. Ouais. Là t'es bien Larry là. Oh là là, monsieur, sur l'extrémité, c'est dommage. On voit même la bille qui est toujours. Oh, la VAR. Bah non, mais là, on la voit, frérot. Oh mec, mais. Dans le vert. Mais elle est incroyable. Mais par contre, t'es très proche. Vous avez vu, c'est quand même kiffant de tirer avec une réplique. C'est génial. C'est trop bien. J'ai envie de faire ça toute ma vie. Là, c'est la première fois de ma vie que je tire avec un. Bah, première fois de ma vie, ouais, j'avais mis 2x50, mais vas-y, c'est pas grave, c'est un autre. T'as tiré où là? T'as visé où? 50. 8. 8, mais pas loin. 8. Tu choses du 56, frère. T'es déséquilibré. Le 50, je l'ai déjà au yet, frérot. Ah! Justement pour lui, c'est quoi ça? Je vais viser le. C'est un pistolet qui fait le rôle. Non, le 50. Ouh. Oh, je tremble trop, c'est horrible. Visualise la trajectoire du projectile. Toi, t'es un TikTok, putain. Ouais, en plein TikTok de merde. En plein dans le buffet. Ah ouais? Ouais. Waouh! C'est le meilleur tir actuellement pour l'instant. C'est vrai? Il est en plein dans le 0 du 50. Bah voilà. Non! On a notre sniper pour la prochaine mission. Du coup, on fait quoi? Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour, les gars. Mais go finir et on tire comme ça. Vas-y, go, on va sur les canapés. Hey, tu portais tous nos espoirs, Dari, il est là, tu te fais clasher non-stop de finir. Ouais. Où est passé ton leadership? Faut croire que j'étais remets pas un la peu d'ordre dans l'équipe. J'étais pas à la hauteur, j'ai trop de pression, c'est terrible. Non, mais en vrai, c'était marrant. T'as kiffé ta soirée quand même. Franchement, de fou. Voilà. Oh, c'était drôle. Ah, oui, c'était voilà. Le but, c'était ça, chambrait, non ouais. On se chambrait, c'était cool. T'as kiffé ta soirée, très bien. Ouais, c'était rigolo. Alex, t'as bien aimé. Super, et je rejouerai à Rainbow Six parce que honnêtement, c'est pas parce que c'est une soirée à Rainbow Six, j'ai kiffé le jeu. Ça se voit, et même ta façon de jouer, de toute façon, je pense que même les gens l'ont ressenti. Ah, j'ai kiffé. Tu vois, t'as kiffé ta soirée au bouclier. C'était génial, j'ai avancé avec le boubou, habitué, on adore. On te reverra avec Daryl faire des duos Q ou sur le jeu. Ah ouais, bah avec Daryl, on est chien et chat, mais on s'apprécie beaucoup. Je ne lâcherai aucune autre horreur ce soir, même si la perche est fortement tendue et t'as envie de la prendre. Du coup, la perche? Ouais. On va arrêter le langage tendancieux. Non, arrêtez vous deux, c'est terrible. Il est temps de couper les gars. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce live sur Rainbow Six. Merci à eux d'avoir sponsorisé ce live. Donc vous avez compris, hein, ça fait 8 ans qu'ils sont là. Nouveau Battle Pass, nouvel opérateur. 4 nouvelles saisons qui vont être tout du long de l'année. Yeah, et ouais. Déjà la première, de toute façon, Brava qui est sortie. Non mais nous, on vous fait plein de bisous. On vous dit, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à la prochaine. Des bisous. Bisous, ciao.